Ces trois dernières années de recherche ont porté leurs fruits. La conclusion est simple, ces créatures sont toutes stupides. Assez parlé, je veux du concret. Oui, monsieur. Il nous manque un cobaye. Je veux dire un lapin. Je vais en piocher un dans la réserve. Qu'il essaie de communiquer avec nous. C'est impossible, il est bien trop stupide. Ne perdons pas de temps. Il a l'air d'avoir compris. Peu importe, allons-y. Il n'a pas l'air aussi stupide que vous le prétendez. Ouais, ouais. C'est un coup de chance. De vos conclusions. Bon, passons à l'étape suivante. Cette créature est incroyable! C'est pas normal! Il y a un truc qui cloche! Où est passé? Il n'a pas pu s'envoler! Alors, où te caches-tu? Te voilà, petit monstre! C'est bon, je l'ai, vous pouvez ouvrir la porte maintenant! J'ai une meilleure idée! Pourquoi ne pas participer vous-même à cette expérience? Quoi, moi contre ce lapin crétin? Exactement. Cela mettra en évidence votre intelligence supérieure. Mais enfin, c'est ridicule! Très bien, tu l'auras voulu. Ah!
Aidez-moi. C'est impossible. Non. Envoyez le test 1048. Non, oh, vous êtes sûr? Oui. Oh, très bien, comme vous voudrez. Moi? Vous voyez, j'avais raison. Il est aussi bête que les autres. Il ne sait même pas jouer au basketball. Et tu la veux? Allez, prends-le. Allez, tu la veux, hein? Mais attendez une minute. Bravo. Toi. D'accord avec vous, cher confrère. Départ dans 10 minutes. Avec un peu d'huile de coude, cette vieille déchetterie deviendra la maison de mes rêves. Dégage de là, bouchon. Regardez qui voilà. C'était le dernier parasite. Et maintenant, au travail. Départ dans 10 heures. Ba 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 ba
J'aimerais que ces lapins crétins me lâchent un peu. Et reste là-dedans. Départ dans 4 heures. Oh, quelqu'un plus grand! Mon papa. Papa! Et maintenant, pause déjeuner. Départ dans 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ. Bye-bye.
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité spécial, le plus célèbre des astronautes qui ait marché sur la Lune. Oh non, c'est mauvais. J'ai le plaisir d'accueillir... L'antenne dans une minute. Dégagez de là. Oui, faut arrêter le café. Hein. Huh?
C'est parti, antenne dans 5, 4, 3. Bienvenue dans notre émission Science et Conscience. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le plus célèbre des astronautes qui ait marché sur la Lune. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais va-t'en d'ici. Allez. De l'antenne. Oh. Papa, papa! Il ne remet plus jamais les pattes ici! Oh, mais... Tabouret à la bonne hauteur et tenez-vous droit. L'appareil prendra vos photos dans quelques secondes. Vos photos sont prêtes. Yeah.
Allô? Hey, salut Julie, comment ça va? Aujourd'hui? Dans 20 minutes? Oui, pas de problème, au parc. J'y serai sans faute. Wouhouhou, on a un rencard Argus. Vite, il faut rentrer, je dois me changer. J'ai hâte, et je compte sur toi, hein. Hé, hey, Argus, c'est pas par là. Hey, bien joué, des fleurs, c'est exactement ce qu'il nous faut. Tu choisis les plus belles, d'accord? Bon mon dieu, ça c'est un sacré chien. Il est génial, non? Bon chien, allons, rentrons à la maison. Le feu est vert, vous pouvez traverser. C'était quoi ça? Argus? Argus! Oh, te voilà. Argus, est-ce que ça va? Tu fais des bruits bizarres. Argus? Argus, qu'est-ce qui te prend? Bon, écoute, je te donne un biscuit, mais il faut avancer, d'accord? Regarde, tu le veux? Tu le veux? Bon chien. Merci, Argus. Rentrons à la maison. Argus, combien de fois je devrais te le dire? Ne jamais monter dans un bus qui roule. Rendez-vous dans 10 minutes. Non, vite, il faut que j'écrive une petite carte pour les fleurs. Pour Julie, ma jolie, qui éclaire mes jours et mes nuits. Rendez-vous. Quoi? Mais je dois encore me changer. Bon. Argus! Donne-moi un pantalon, s'il te plaît. Allez, c'est quand tu veux. Argus! Merci. Et maintenant, une chemise aussi. Ah, donne-moi les fleurs. Merci. Sois sage pendant mon absence. Tu devais rester à la maison.
Ma canne. Oh. Vous êtes en retard. Rends-la-moi, bon sang. Je n'ai pas le temps de jouer. Julie ? Ah, oui ? Salut, désolé pour le retard. C'est pour toi. Il y a une petite carte avec. Pour Julie, ma jolie, qui éclaire mes jours et mes grufes. Oh, comme c'est original ! C'est de la poésie danoise ! Et lui, ça doit être Argus, non ? Oui. Il est adorable. C'est vrai ? Barbara ? Mm-hmm.
Et voilà un nouvel échec pour la science. Vous avez un message. Le gouvernement offrira 12 milliards de dollars au laboratoire qui réussira à produire un appareil indestructible pour aller sur la Lune. 12 milliards de dollars? Les lapins crétins sont indestructibles. Ils ne reculent jamais devant un obstacle. Jamais. En plus, ces lapins n'ont absolument peur de rien. Mais oui, les lapins sont absolument parfaits pour être envoyés sur la Lune. On va être riches. L'appareil indestructible devra être capable de rassembler des roches lunaires, les photographier et les mettre dans une boîte. C'est fichu. Mais non, il peut le faire. Photo.
C'est bon, cette fois j'en ai ma claque. Bon, qu'est-ce qui est indestructible, qui n'a peur de rien et qui ne recule devant aucun obstacle? Je sais! Début du programme d'apprentissage automatique. Wouhou! À nous la fortune! Nous allons être riches. Téléchargement du programme d'apprentissage automatique terminé. Papa! Photographier Roche Lunaire. Photographier Roche Lunaire. Photographier Roche Lunaire. Photographier Roche Lunaire. Photographier derrière. Photographier derrière. Photographier derrière. Expulsez gaz nocif. Ami. Téléchargement du nouveau programme terminé. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Téléchargement du programme de nettoyage terminé. Programme de nettoyage. Téléchargement du programme de maquillage terminé. Programme de maquillage. Stop! Arrête le programme d'apprentissage automatique. Téléchargement du programme de danse terminé. Programme de danse. Oh non! Mon joli robot! Il va le casser! Oh non! Pas ça! Téléchargement du programme de cuisine terminé. Programme de cuisine. Non! Bouton lui! Vous avez téléchargé un virus! 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 Exterminé, exterminé, exterminé. Danger, danger, danger. Bye bye. J'ai oublié les... Oh, John, qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais juste qu'il prenne une photo de la pierre. Papa. 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 Papa
Oh,
Ah!
Bye-bye.